mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route. Les usagers de la route sont les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Donc, il faut respecter les panneaux de signalisation pour une bonne protection. Alors, on distingue qu'il y a différents types de panneaux qui s'adressent aux pratiquants de la route. Voilà ce qu'ils peuvent exprimer. Usagers de la route, si vous voyez des panneaux en forme de triangle à bord rouge, prêtez attention aux dangers qu'ils vous annoncent. La nature du danger est précisée par le symbole dessiné au centre au noir. Présence de virages, passage à niveau, présence d'école par exemple. Usagers de la route. Si vous voyez des panneaux de forme ronde cerclée de rouge, ne faites pas ce que l'on vous interdit de faire. L'interdiction s'applique à tout moment et commence au panneau. Elle cesse lorsqu'un autre panneau est placé pour y mettre fin. Un sens interdit pour les véhicules, les deux roues ou les piétons. Usagers de la route. En voiture à pied, si vous voyez des panneaux à forme ronde à forme bleue, obligez-vous à faire ce que l'on vous demande à faire. Vous n'avez pas le choix. Chemin obligatoire pour le piéton. Obligation de tourner à gauche. أسير للأمام أمر في
beau écrire, des papiers en bonbon et des mouchoirs en papier. C'est tout. Bon, vous n'avez pas les papiers de voiture et votre permis de conduire, vous l'avez? Un permis de conduire, et pourquoi faire? Mais enfin, monsieur, ne pouvez pas rouler sans permis. Mais si, la voiture ne peut pas rouler sans. Mais sans permis, elle marche quand même, vous savez? Mais il est fou celui-là! كفى من الحوادث، أيها المتفرجة.